Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Lego Ninjago. Voilà. Non, je vais vous dire quelque chose, mais j'ai déjà dit samedi. Donc, je vais vous faire une vidéo sur les Lego que j'ai eu hier à la brocante. Alors, le premier Lego, c'est un Fempire, comme ceci, que j'ai déjà. Enfin, j'ai déjà la figurine, et il y a son sceptre, puis lui. C'est pas que j'ai perdu, c'est que j'ai. C'est qu'il est démonté, genre, et je retrouve plus ce corps entier. C'est surtout pour le sceptre. 1 euro, je me suis dit. Je vous vois déjà venir dans les commentaires. Mais Pierre, c'est trop cher. Non, non, non. Ça, je vous dis que non. On a vu déjà plein de prix. Si vous voulez voir le nom de la brocante, c'est une brocante à Inville. Voilà. Là, on peut voir le petit orbe. Voilà. Trop classe, focus. J'en ferai ça faire le focus. Là, on peut voir le petit orbe des Fempire. Ah, trop classe, la qualité d'image. Là. Comme ceci. Par contre, les autres, là, que je vais vous montrer, c'est des faux. Non, c'est pas des faux, mais ils viennent de Chine. Voilà. Voilà. Alors, en premier, c'est le général Kozu. Alors, il y avait son arme à construire. Ses bras construire, mettre les mains et tout. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est pas son vrai casque, hein, normalement. Mais je commence à m'habituer de plus en plus. Voilà. Ensuite, on peut voir sa tête, comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je fais, moi? J'essaie de retrouver le casque de Kozu normal et de lui mettre. Et celui-là, je lui enlèverai ça. Et puis, je lui dirai que c'est un petit scorpion. Et je mettrai le casque, plus que la tenue Nia, quand je l'ai vu dans un magazine. Et j'ai vu sa combinaison, mais pas le casque. Et en double, j'ai un petit truc comme ça. Comme ça. Qu'on met sur le casque. Là, je l'enlèverai, puis je le mettrai. Puis, je vois le Samurai X. Voilà. Par contre, les jambes, elles s'enlèvent très facilement. Comme vous pouvez voir, c'est pas un vrai Lego. Sur les vraies plaques, on peut voir marqué Lego. Et c'est un peu râpeux. Quand on touche avec l'ongle. Là, non. Là, mais comme ça, à l'œil nu, on pourrait voir. Par contre, là, la lame, c'est pas la vraie lame, ça se voit. Mais ça sent. C'est comme des Lego. Et en fait, c'était un petit sachet avec deux trucs comme ça. Il y avait robot singe. Comme vous pouvez le voir, là, on peut pas voir la tête de mort et tout. Voilà. C'est un bon petit singe, hein. Par contre, ça que je trouve un peu bizarre. Oh, qu'est-ce qu'il y a, une technolame qui traînait. Après, c'est que la technolame là que j'ai. Et voilà. Alors, 1 euro. Ça, c'était 2,50 € tous dans un sachet. Voilà. Et là, c'était comme ça. Voilà. Alors, c'était dans un petit sachet, dans un grand sachet, mais il n'y a pas grand-chose. Et puis, vous allez me dire, mais t'aurais dû l'acheter. J'avais trouvé Nia avec sa combinaison de la saison 7, quand ils affrontent les jumeaux du temps. En or! Je vous le jure! C'est trop, trop bien. Mais je me suis dit, je vais prendre le général Kozu, car il coûte quand même dans un truc cher, et vous allez me dire, ouais. Là, je vais bientôt faire une vidéo de gaming. Vous allez dire, non, pas sur le Skywatch. Non, non, sur le Go Ninjago, le Mbro de Renault. Je vous préviens à l'avance, hein. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, j'ai adoré. J'ai eu pas un coup de cœur, mais dès que j'ai vu, j'ai pris celui-là, le sceptre. Je vais peut-être avoir le sceptre des Venomari. Je sais où, mais vous, je vous dirai pas comment. Oui, je ferai une vidéo là-dessus, hein. Ne vous inquiétez pas. Non, je ferai des vidéos, ne vous inquiétez pas. Et voilà, donc, on va coller tous les personnages. Voilà. C'est une petite vidéo comme ça. Je vous laisse. Bye. À demain. Et yo tout le monde!